ils sont là, vous voyez, ils sont là, hein, ils sont présents. Approchez-vous encore un petit peu. Je vous promets, les jeunes filles et les jeunes garçons que vous allez voir dans quelques instants, là, c'est incroyable. Il y en a, ils sont grands comme ça. Là. Je vous mens pas. La petite qui va chanter en premier. Et hier, avant-hier, elle chantait sur la petite scène libre qu'il y avait à l'entrée, là. Première chanson, toute seule, et il y avait quatre personnes qui venaient de passer avec leur baquette de frites. Personne ne la connaissait. Et il y a le producteur de The Voice TV Show qui était là, et qui est, il est passé, il regardait, il a dit « Mais je la connais, cette jeune fille et tout, j'ai déjà vu et tout. » Il a dit « Bon, tu vas pas chanter toute seule comme ça tous les soirs. Demain, tu viens avec nous et tu vas chanter en première partie. » Donc elle est là. Je vous demande de l'applaudir très très fort. Faut lui mettre un petit peu la pression. Allez, on fait du bruit. Voilà, c'est bien, du genre. Elle s'appelle Inès. Je sais pas, on est prêt là-bas pour la musique, parce que du coup, c'est bon, hein, parce que je voudrais pas la faire venir pour rien. Alors, elle a 10 ans. Elle est toute petite, elle est de Bordeaux, elle est presque du bassin d'Arcachon, voilà, elle vient sans arrêt, elle mange des huîtres, elle adore ça. Elle s'appelle Inès, elle est surprenante, elle a une voix extraordinaire, je suis sûr qu'on va en entendre parler plus tard parce que vraiment, vous allez voir, c'est un truc de dingue. Donc approchez-vous, vous faites le silence un peu au début, mais pas trop, va falloir la motiver notre petite. Alors, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Inès. Allez, Inès! Ah, ah. Ouais! Thank you.
Every night.
peut l'applaudir encore très 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 fort, la petite Inès. Alors Inès, on va faire connaissance un petit peu avec toi, on a deux minutes quand même. Bon, où est-ce que tu habites? J'habite à Bordeaux. À Bordeaux, tu as quel âge? J'ai 10 ans. T'es en quelle classe? Je suis en CM1. En CM1, vous vous rendez compte? Combien il y en a qui sont en... Combien il y en a qui sont en CM1 là? Levez la main tous ceux qui sont en CM1. Eh, hey, ouais, va falloir se mettre à bosser quand même vous, hein. En CM1, eh, hey, elle est forte, non, quand même? Ah oui, oui, oui. Allez, on l'applaudit encore une fois. On leur accompagne la petite Inès. Et tu chantes souvent avec autant de gens devant toi, comme ça? Oui, beaucoup. J'ai fait beaucoup de scènes, des concours de chant, des galas, des spectacles, des œuvres caritatives. Les premières parties aussi, et puis je suis très honorée et très contente d'être sur scène. Ça fait beaucoup plaisir. Franchement, voilà, enfin, je suis vraiment contente et merci de m'avoir écoutée et d'avoir partagé un bon moment avec moi. Elle est pro quand même déjà. Elle sait tout faire, elle chante bien, elle parle bien, en plus elle est la meilleure de sa classe, donc voilà, elle a tout pour elle. Inès, je vous laisse avec elle encore pour l'applaudir une fois et pour l'accompagner. Merci Inès, ravi de t'avoir accueilli ici à Lujan Mestras avec nous. Et puis on va en faire une autre parce qu'on va faire venir notre petite Inès de tout à l'heure, elle a été magique. Inès, s'il te plaît. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up.
Mathieu, Clément et la petite Inès, l'invité de dernière minute.